voulais savoir si c'est Côte d'Ivoire pour la 8e édition donc, de l'immersion que nous organisons chaque année. Et comme je l'ai dit antérieurement dans les salles de classe, c'est une activité pédagogique qui rentre dans le curriculum de formation des étudiants. Donc une activité obligatoire qui sera sanctionnée par une note. Aujourd'hui, si nous organisons cette immersion, c'est aussi grâce à la collaboration de partenaires. Et plus particulièrement, nous avons un partenaire de taille que vous connaissez très bien, c'est Sim Faso. Mais aujourd'hui, pour des raisons professionnelles, on voyage sur Dakar. Il a délégué son équipe pour venir le représenter en fait, pour le démarrage des étudiants. Ok, bonjour à tous. Vraiment, je suis bluffé. Je ne sais pas comment dire merci. Vous êtes tous bien habillés en Sim Faso. Et comme M. Bengal a dit, à M. Diallo aussi, Sim Faso et IAM ont signé un accord, c'est-à-dire une convention pour laquelle on va vous accompagner. On va vous accompagner dans toutes les activités que vous allez mener, de sorte à ce qu'on puisse vous apporter notre expertise aussi en fin de formation pour les stages et pourquoi pas des emplois. Parce que je sais qu'à Sim Faso, quand on rentre comme stagiaire, on sort comme employé. Je vais vous faire part un peu du message de M. Kabore. Juste, je vais être court parce que je sais que vous êtes pressé pour y aller. Donc, monsieur le premier responsable de l'IAM, mesdames et messieurs les parents des étudiants, chers étudiants, c'est avec un grand plaisir que je prends la parole au départ de l'immersion à Tenkotoko au nom de M. Inoussa Kabore, administrateur directeur général de Sim Faso, filiale de Sim Metal Group, dont les promoteurs sont bien sûr M. Inoussa Kadazoé et son associé M. Kwanda. C'est en effet une fierté avec fierté que M. Inoussa Kabore a pris connaissance du choix de sa modeste personne comme parrain de cette immersion à Tenkotoko. Il considère comme un privilège l'honneur qui lui est ainsi fait et mesure toute sa portée. Excusez. Il le charge de vous faire part de sa disponibilité à toujours vous accompagner dans vos activités à tout moment. Permettez-moi par la même occasion de profiter de ma présence dans l'un des meilleurs instituts de notre région, de saluer l'engagement, l'innovation et l'initiative des premiers responsables, des anciens de l'IAM qui œuvrent pour cette jeunesse, pour qu'ensemble nous construisons l'avenir. Vous allez remarquer que Sim Faso, nous on a pour slogan, nous construisons l'avenir. Et on sait que pour construire l'avenir, il faut de la jeunesse, il faut des talents, et c'est vous. Et c'est vous l'avenir de demain de l'Afrique, du Burkina. Et nous comptons énormément sur vous. Chers étudiants de l'IAM, ne l'oubliez jamais, vous êtes l'avenir de l'Afrique. Et de l'audace, du courage et de l'imagination, et vous réussirez. Sachez qu'il y a des personnes sans force. Il n'y a pas de personnes sans force, vous m'excusez. Il n'y a que des personnes qui ne savent pas se servir de cette force-là. Sachez également que vous savez beaucoup plus que ce que vous ne donnez. Donnez le meilleur de vous-même. Pour terminer, je vous dis bonne immersion à Tenkotoko. Apprenez, partagez, amusez-vous et bon séjour à vous.